Ayant terminé sa campagne d'essai en vol qui a été émaillée d'un atterrissage raté et d'un dégonflage imprévu, le constructeur du dirigeable Airlander peaufine désormais le design de sa version de série. Il vient de présenter les images de synthèse de son aménagement intérieur, luxueux et rappelant celui des yachts. À bord, il y a plusieurs salons avec de larges baies vitrées, y compris au sol. Un bar pour se désaltérer. Et des chambres, une dizaine, dotées de tout le confort. Bon, pour le moment, tout cela reste virtuel, mais c'est le concept très sérieux qu'entend mettre sur le marché la société britannique HAV d'ici quelques années. Sa cabine, longue de 46 mètres et plus large qu'un monocouloir, pourra accueillir jusqu'à 19 passagers. Idéal pour effectuer des vols touristiques au calme et à 150 km/h en vitesse de croisière.